Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du 2 novembre 2015 de notre synthèse vidéo de l'actu IT et Télécom. Et je suis comme chaque semaine en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet de la semaine, le couple franco-allemand mais version numérique. Alors en quoi ça consiste? Alors en quoi ça consiste? Donc je dirais que la nouvelle principale, c'est que c'est la première fois qu'une conférence franco-allemande, donc le moteur de l'Europe, comme on l'appelle fréquemment, se réunit sur le sujet du numérique avec les deux chefs d'État, donc François Hollande d'un côté, Angela Merkel de l'autre. Donc je dirais que c'est un peu quelque chose qu'on aurait peut-être dû voir déjà il y a quelques années. Ça arrive aujourd'hui, c'est très bien, donc c'est la prise de conscience de part et d'autre que le numérique est vraiment quelque chose d'important. Donc c'est un événement en soi, on peut dire. Alors maintenant, les concrétisations de cet événement, qui a quand même réuni les deux présidents, les ministres de l'économie de part et d'autre à l'Élysée, 400 invités du monde du numérique, quand même un événement significatif. Les concrétisations, pour l'instant, c'est encore un petit peu léger. C'est une conférence qui va avoir lieu l'année prochaine à Berlin. Donc pour cette année, on a la création d'un fonds d'investissement, puisque c'est quand même une des grandes faiblesses actuelles, la création d'investissement partagé entre Orange, Publicis et Siemens de 500 millions d'euros, donc c'est pas négligeable. Et puis la création d'une académie franco-allemande dans l'industrie du futur, donc qu'on dénomme régulièrement industrie 4.0, donc qui permettra, évidemment, l'Allemagne est en pointe sur ce sujet-là, donc permettra d'avancer sur le terrain de l'industrie dont on sait qu'avec l'Internet des objets, c'est un domaine en plein développement. Ça, c'est, je dirais, ce qui s'est passé. Le lendemain, d'ailleurs, il y a Stéphane Richard qui faisait un commentaire sur France Inter de cette réunion, puisqu'évidemment, on vient de le dire, il est partie prenante. Il rappelait une des grandes faiblesses de l'Europe, qui était la fragmentation, et en particulier dans le domaine des télécoms. On connaît le sujet, on en a déjà parlé. Donc, en Europe, il y a une centaine d'opérateurs. Aux États-Unis, il y en a 3 ou 4 et qui ont chacun des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'abonnés, donc ce qui leur permet d'avoir des revenus, d'investir, etc. Donc la comparaison est un peu difficile, et ce qui fait que l'Europe est dans une situation un peu compliquée. Néanmoins, cette idée de fragmentation, on peut la réfuter un petit peu, dans la mesure où le fait que l'Europe soit fragmentée n'a pas empêché les constructeurs informatiques américains de s'y installer aisément dans tous les pays. Les éditeurs de logiciels qui surdominent complètement le secteur, les éditeurs de logiciels américains, de s'installer en Europe. Les GAFA, les fameux GAFA, ils sont présents partout. Donc je dirais que c'est un sujet. Alors évidemment, c'est un peu comme dans le cinéma. Les Américains, ils amortissent sur leur marché intérieur et puis après, ils vont à l'export. Ils ont déjà tout payé. Donc c'est sûr que c'est une force. Mais néanmoins. Tu peux pas dire que les télécos américains sont le moteur non plus de l'innovation américaine. Absolument, c'est sûr. Donc, je dirais que pour résumer, c'est un point de départ et certainement pas un point d'arrivée, mais un point de départ qu'on attendait depuis un certain temps. Alors, on change complètement de sujet. On parle d'HP et de cloud public. Donc, HP et cloud public, c'est comme Capri, c'est fini. C'est fini, exactement. Alors, on l'avait déjà annoncé plus ou moins, parce que sur ce point, la communication d'HP a été assez chaotique, puisqu'en avril dernier, il y a le VP Cloud, dont j'ai plus le nom en tête, qui avait alerté sur son blog en disant que HP a arrêté ses activités sur le cloud public. On entend bien sur le cloud public. En fait, il était revenu une semaine plus tard en expliquant que finalement, ce n'est pas du tout ce qu'il avait déclaré et que HP continuait bien dans ce domaine d'activité. Et là, on apprend la semaine dernière qu'effectivement, HP jette l'éponge. Alors, HP ne fait plus de cloud public. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire
beaucoup, il va se développer dans le domaine du cloud privé et des services managés, et puis du cloud hybride. Et comment il va faire du cloud hybride? Ben, au lieu d'avoir sa propre offre de cloud public, il va s'appuyer sur des partenaires spécifiques cloud public. Donc ça peut être Amazon, ça peut être d'autres. Et, exactement. Et donc permettre de développer une offre de cloud hybride avec des partenariats extérieurs. Alors maintenant, sur le fait que HP arrête ses activités cloud public. Donc on sait qu'HP était très open stack, d'ailleurs on en parlera un petit peu tout à l'heure, très open stack. Rackspace qui était à l'origine d'open stack avec la NASA. Donc on aurait pu penser que finalement il y aurait des vases communicants, une alliance ou quelque chose, et puis bon, apparemment ça ne s'est pas fait. Donc finalement c'est la conclusion que dans le domaine du cloud public, les gens qui ont pris du retard, c'est très difficile de le rattraper. Et le cabinet Synergy a publié cette semaine les chiffres du troisième trimestre qui montrent que Amazon Web Services est très loin devant, 30% de part de marché. Et puis derrière, il y a les trois qu'on connaît, Google, Microsoft et IBM, qui sont un petit peu derrière. Et à eux quatre, ils font plus de 50% du marché. Donc ils ont pris une certaine avance et ça va être un petit peu difficile parce qu'on sait que... Alors, c'est difficile pour les autres de s'implanter parce qu'on sait que c'est une activité à très, très forte intensité capitalistique. Il faut vraiment investir dans des data centers parce qu'on parle de cloud, mais le cloud, c'est quand même des data center au départ, et donc ça va être difficile. Donc je pense que le groupe des quatre, là où la bande des quatre va continuer à se développer, à prendre encore des parts de marché parce que leur croissance est supérieure à la croissance du marché en général. Donc a priori ils ont pris une bonne avance et ce sera dur de les rattraper. Alors on reste dans le cloud, on parle d'OpenStack qui avait son fameux summit annuel d'ailleurs informatique, nous y était par intermédiaire de Thierry Autrebon. Et donc l'annonce, la grande annonce, c'était une nouvelle version compatible avec les conteneurs. Absolument. Donc ce summit, ce OpenStack Summit se tient deux fois par an, puisque un peu comme les horloges suisses, ils nous font le plaisir de dévoiler une nouvelle version d'OpenStack. Donc ce deuxième semestre, c'est la version appelée Liberty, puisqu'en fait leur manière d'appeler les versions, ils ont pris l'alphabet et puis chaque version c'est la lettre de l'alphabet et ils prennent la suivante. Donc la précédente version c'était Kilo, la version d'aujourd'hui c'est Liberty. Alors Liberty, qu'est-ce qu'elle apporte? Eh bien elle apporte effectivement une prise en compte plus importante des conteneurs. Donc ça c'est une première chose. Des performances supérieures en développement à grande échelle. Et puis tout ce qui est Software Defined Network, donc c'est vraiment les trois avancées de cette version Liberty. Et puis alors donc à Tokyo où Thierry Autrebon représentait Informatique News, donc on a vu que d'un côté les opérateurs étaient de plus en plus présents en tant que partie prenante dans le développement d'OpenStack. Et puis bon évidemment puisque c'était au Japon, on a eu une participation importante de Japonais qui montre qu'ils sont également très très présents dans ce domaine. Donc je dirais qu'une édition intéressante de ce summit, sachant qu'il y a évidemment il y a des critiques qui se font jour un peu de concurrents d'OpenStack qui évidemment voient le développement d'OpenStack pas du même œil que tout le monde et qui disent que, bon c'est les mauvaises langues qui parlent, qui disent que c'est une version qui n'est pas tout à fait finie, qui fait le bonheur des intégrateurs. Et puis évidemment, dans ce domaine, on citera le nom de CloudWatt qui a fait son propre développement sur OpenStack et dont on voit ce que ça a donné. Bon, ce n'est pas seulement lié à OpenStack, bien sûr, mais en tout cas, c'est un exemple à ne pas suivre. À part s'en suivre. Ça, c'était pour la semaine passée. La semaine prochaine, eh bien, on annonce la bande HP, tout simplement. Alors, on rassure tout de suite nos lecteurs. Il ressuscite dans la foulée. Voilà, alors HP est mort, vive HP. Donc HP, on l'annonce depuis un certain temps. Donc finalement, il n'y aura pas. Vous aimez HP, il n'y en aura pas un seul, il y en aura deux. Donc on le rappelle, il y a d'un côté HP Entreprise qui va faire toute l'activité spécifiquement entreprise, donc les services et les logiciels principalement, et les serveurs, et puis système de stockage. Et puis de l'autre, HP Inc.
qui fournira les PC et les imprimantes et qui sera, j'irai à cheval sur le grand public et les entreprises. Donc en termes de chiffre d'affaires, on a deux entreprises qui pèsent à peu près la même chose. En termes de nombre de salariés, ce n'est pas du tout le cas puisque HP Inc. sera beaucoup plus légère que HP Entreprise qui est du service. Donc du service, c'est des hommes et donc c'est beaucoup de consultants, de commerciaux. La semaine prochaine, donc Gérald Carsenti, qui est le patron d'HP aujourd'hui et qui va devenir le patron de HP Entreprise, fera le point sur son entreprise. Donc bon, ce sera intéressant de savoir les PDG de arguments. HP France, un peu. HP France, exactement. Alors les arguments, on les connaît puisque bon, ils ont déjà été un peu avancés, mais l'idée c'est que avoir deux entreprises, ça va permettre d'avoir des entités qui seront plus concentrées sur leur cœur de métier, qui seront plus agiles. Bon, tout ça on connaît. Maintenant, dans la réalité des faits, on verra ce que ça va donner. Enfin, c'est une expérience qu'on a pas souvent connu. Il y a eu des tentatives dans le passé de casser des entreprises, donc par le biais de la justice, en particulier aux États-Unis. Il y a eu plusieurs expériences. Donc il y a eu IBM qui a eu Avec les lois antitrust. pendant des années et des années. Puis au final, il s'en est sorti. Il y a eu AT&T qui, elle, a été cassée en babybel. À un moment, il y a eu Microsoft qui était sur le gris et qu'on voulait casser en baby Microsoft, puisqu'on disait que les logiciels d'application bénéficiaient de la plateforme et donc ça ne marchait pas. Un argument d'ailleurs qui est repris sur Google aujourd'hui. D'ailleurs, Google Discussion, on va dire, poliment, avec la Commission européenne avec la Commission sur le européenne. sujet. Donc il y a eu une volonté, mais en tout cas une société qui elle-même se sépare, c'est pas si fréquent que ça. Bon, sachant qu'HP s'est séparé d'activité. Hein, le plus connu, c'est l'activité instrumentation qui avait donné naissance à Agilent. Mais en tout cas, se séparer comme ça en deux entreprises, c'est nouveau. Et on va voir si Meg Whitman avait raison ou pas. Mais pour ça, il faudra attendre un tout petit peu. Très bien. Et puis on conclut sur le coup de gueule, le traditionnel coup de gueule de la semaine, et on reparle du couple numérique franco-allemand et de Oui, ses effets d'annonce. effectivement. Alors, en fait, je dirais que, bon, coup de gueule, on va ramener ça à sa juste mesure, mais c'est plutôt l'étonnement en écoutant le discours de François Hollande sur ce magnifique projet de. Bon, effectivement, dans les principes, c'est très bien, mais il y a eu une formulation qui est une phrase absolument surprenante. En gros, il disait que l'Europe, dans le domaine du numérique, voulait être le meilleur du monde. Et que s'il fallait choisir entre suivre ou anticiper, on avait choisi la voie de anticiper. Et quand on entend ça, on se dit, mais Dans quel monde vit-il? dans quel monde vit-il? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il a lu sur le domaine du numérique en France et en Europe? Je pense qu'il devrait voir quand même que depuis un certain temps, c'est un secteur sur lequel. Alors, certes, les Français brillent dans plein de domaines, mais en tout cas, les entreprises européennes n'ont pas brillé. Alors, on a un dynamisme des startups qui est absolument tout à fait significatif, mais en tout cas les faits sont là. Si on fallait rappeler tous les échecs européens dans le domaine de l'informatique, on en aurait pour un certain temps. Donc c'est un petit peu surprenant. Alors évidemment, c'est très bien qu'il y ait une volonté de développer ce secteur. Parfait, là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Et bien, on conclura là-dessus. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle synthèse vidéo de l'actualité télécom. Merci, à bientôt.